Ce n'est que dans la seconde moitié du siècle dernier que des explorateurs blancs pénétrèrent au cœur de l'Afrique, dans la région que nous appelons aujourd'hui Katanga. Pendant des générations, les trafiquants arabes, exploitant la cupidité des chefs, ont trouvé dans ces villages leurs pitoyables marchandises humaines. Constamment menacées, mal nourries, décimées par les maladies, ignorantes et superstitieuses, cette population semblait figée dans un immobilisme séculaire. Cinquante ans ont passé. Quelques hommes, venus de la lointaine Europe, ont vaincu des difficultés qui paraissaient insurmontables. Une puissante industrie s'est créée de toutes pièces en quelques années, appelant au travail des milliers d'indigènes et de Belges. Mais la tâche la plus difficile, la plus exaltante aussi, a été d'apprendre à des hommes et à des femmes sortis d'un autre âge tout ce que des siècles de progrès nous ont rendu familier et que nous appelons civilisation. Cette tâche, l'industrie minière, l'entreprise. Les travailleurs du Katanga sont en partie recrutés au loin, notamment au Rwanda-Urundi, d'où ils sont emmenés par avion. Avant de s'embarquer, ils ont reçu dans des chantiers d'apprentissage un début de formation professionnelle. Curieux, et un peu émus, les voici descendant avec leur famille sur l'aérodrome d'Elisabethville. Commençons par séjourner dans un camp d'acclimatation avant d'entrer à l'usine ou à la mine. Des objets de première nécessité leur sont distribués. Chaque famille prend possession de son logement. Les 22 000 travailleurs de l'industrie minière du Haut-Katanga vivent dans des cités construites à leur intention. Avec femmes et enfants, ils forment une population de 90 000 personnes. La vie familiale a pu naître et se développer dans ces cités industrielles à partir du moment où leur population a compté une proportion normale de femmes. En 1925, cette proportion était de 18 femmes pour 100 hommes. Actuellement, 80% des travailleurs sont mariés. Les distractions ont pris un tour paisible. Les dimanches d'Afrique ressemblent désormais aux dimanches d'Europe. Promenade. Réunion entre amis. Des jardins d'enfants. Au cours pour adultes, l'enseignement a été fortement développé. Il a aussi été adapté. On fait moins appel à la mémoire des élèves, on exerce davantage leur esprit. Trois mille bambins fréquentent les jardins d'enfants. 15 000 garçons et filles suivent les cours de l'école primaire. À beaucoup d'enfants, le calcul donne du fil à retordre. On lui a réservé une part prépondérante, mais sous une forme aussi concrète que possible. Le cycle primaire se termine en sixième.
Après l'école primaire, les enfants ont accès à une école pré-professionnelle. Ils y apprennent l'ajustage, le moulage, la menuiserie, l'électricité. Voici le cours d'ajustage. À Rouet, un internat forme des moniteurs de l'enseignement et des ouvriers qualifiés au terme de 5 années d'études. Les sports occupent dans l'horaire une place de choix. Chemin parcouru en une génération par la population bantoue. L'effort d'éducation a réussi à éveiller le sens du raisonnement, à susciter la curiosité intellectuelle. Les leçons théoriques alternent avec les cours pratiques. Les adultes à qui la formation générale a manqué ont à leur disposition des écoles du soir. Il y a aussi des cours de jour pour ceux qui témoignent de dispositions spéciales, en particulier l'école d'Ébène, où sont enseignés le code de la route et la conduite d'engins lourds. Autre aspect des préoccupations sociales, les hôpitaux. Il se compose de pavillons, conception mieux adaptée à la mentalité des Congolais que les blocs à nombreux étages. Les locaux sont vastes et clairs. Ils sont pourvus de l'équipement le plus moderne. Radiographie. Anesthésie. Voici la maternité de l'hôpital de Jadotville. Quotidiennement a lieu la distribution d'aliments de sevrage. L'œuvre pour la protection de l'enfance noire conseille les futures mamans et assure la surveillance médicale des mères et des enfants. Examen médical, plutôt inquiétant.
Les enfants qui ont eu le malheur de perdre leurs parents sont recueillis par l'orphelinat. Ils y retrouvent l'insouciance de leur âge. Les cours de formation familiale donnent aux jeunes filles des notions de puériculture. Leurs gestes ne sont-ils pas ceux des jeunes filles de chez nous, des jeunes filles du monde entier? Ces cours initient aussi aux travaux ménagers. Les plus courants, comme par exemple faire briller les chaussures du mari, récurer les casseroles, repasser les cravates, dresser le raffia, couper et assembler les tissus. On a même songé à apprendre aux ménagères comment choisir et acheter. Et c'est sans doute le plus amusant. Mais il faut encore savoir repriser les chaussettes, coudre un fond de culotte, et bien entendu, faire la cuisine. L'art culinaire local s'enrichit des traditions européennes à la satisfaction générale, semble-t-il. La fête la plus courue de l'année est sans conteste celle de la remise des distinctions honorifiques aux travailleurs dont on veut récompenser les loyaux services. La personnalité des Bantous stabilisés au service d'une entreprise s'affirme et se développe. Les meilleurs d'entre eux acquièrent en même temps qu'une formation professionnelle la dignité et la conscience du vrai travailleur. Ces garçons que nous voyons défiler, les filles qui leur emboîteront le pas dans un moment, sont tous enfants de travailleurs. Leur fierté éclate. Thank you.
contrastant avec l'austérité de l'horizon industriel, se présente à nous l'oasis du théâtre de verdure. La foule s'y presse pour assister à la fête scolaire offerte par les enfants aux travailleurs décorés. Les danses puisent leurs racines dans la tradition africaine. La renommée des petits chanteurs à la croix de cuivre a franchi les frontières du Katanga. Les sources d'inspiration de l'âme noire s'enrichissent ainsi des moyens d'expression de la culture occidentale, qui elle-même, il y a 2000 ans, trouvait sur les rivages africains et asiatiques de la Méditerranée ses premiers aliments. Éternel retour, émouvant symbole de la grande fraternité humaine qui ne connaît ni race ni frontières.